prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je suis en direct avec... Shalom, shalom. Mais mon fan club sont les enfants qui m'ont beaucoup épaté depuis... ça c'est Zach. What is this one? Ça c'est Zach, ça c'est Ben. Oh, this is a live stream? Ouais, voilà, ça c'est Zach et Ben. Je suis chez eux à la maison. Hein. Ils m'ont invité. Voici ma fille spirituelle, c'est leur enfant. Ils ont écouté ma chanson et ça les a vraiment beaucoup plu. Et depuis que j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, les enfants ne cessaient de chanter mes chansons. Voilà. Les enfants ne cessaient de chanter mes chansons. On s'est retrouvés ici. Super. On se parlait depuis l'Afrique. Quand j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, je parlais avec eux. Et donc, quand je suis arrivé aujourd'hui c'est cette date aujourd'hui du 3. Jeudi 3 novembre 2016, on se voit maintenant physiquement. Je vous assure, ils sont très terribles. Amo Saleo, Amo Amazaneo, Amo Amazaneo, Amo Amazaneo, Amo Amo Biawe Biawe. Eli la dona Amo Magerege mu. Geregemu akibia o awe Elie la gona mo mageregemu Geregemu akibia o awe Amo sale o Amo Yeah Amo sale o Amo Amo sale o Amo Amo sale o Amo Amo Biawe Biawe. Super, c'est le fan club. Amo Zaleo, Amo, Amo Zaleo, Amo, Amo Zaleo, Amo, Amo Zaleo, Amo, Amo, Biawe, Biawe. Ça c'est Ben. Elie la donna, Alia la donna, Amo Magelegemu, Geregemu, Agibia, oh, ouais. Amo Saleo, Amo, Amo Saleo, Amo, Amo Saleo, Amo, Amo Saleo, Amo, Amo, Biawe, Biawe. Super, depuis Baltimore. Je suis passé chez eux. Hein. Rends visite, toi, c'est. Ouais, ils chantent embêtés. Ils m'ont personnellement émerveillé depuis la Côte d'Ivoire. C'est des petits vraiment attachés à mon album. Hein. Ils ont mon album, qui joue chez eux. Et quand je suis rentré, ils voulaient forcément me voir. Et moi aussi, pareillement, parce que depuis la Côte d'Ivoire, je causais beaucoup avec eux. C'est vraiment des... Isaac, give me guitar. Guitar? Oh, yeah, give me guitar. Give me guitar. Amonza, Elie la donna, mon ma geregemu. I gotta work on geregemu, that. Geregemu, aki yi biyao, owe. Amonza leo, amo. Amonza leo, amo. Amonza leo, amo. Amonza leo, amo, amo. Biawe, biawe. Super. Ye kamu, oh, oh, oh.
Amo ye isa do do di ye zaramu ye wo gigi zaramu a zaramu a o ye yo kamu a zara amo sale o amo amo sale o amo amo sale o amo lago amo sale o amo amo biawe biawe c'est le fan club. Amon sale o amo yeah amon sale o amo amon sale o amo amon sale o amo amo biawe biawe ils ont fini un bété. Allons-y, amon sale amon sale o amo amon sale o amo amo zane yo, amo amo biawe biawe. C'est super. Ce vendredi, ce samedi, nous serons fait à suivre. C'est le fan club. What? Le fan club prophète Joël Crasso ici à Baltimore. Des petits blancs américains qui chantent très bien ma chanson, très bien ma chanson, très bien. Amo sale yo, amo. Amo zane yo, amo. Amo zane yo, amo. Amo zane yo, amo. Amo biawe biawe. Elie lago. Alia lago nai ma gere gemo. Gere gemo aki biawe biawe. Elie lago nai ma gere gemo. Yere gemo aki biawe biawe. Amo zane o, amo, amo zane o, amo, amo zane o, amo, amo zane o, amo, amo, biawe, biawe. Faut jouer la musique tout à l'heure là. Yeah, yeah, yeah. All right. Vas-y. Play the one. C'est un bon musicien. Okay, I'm gonna sing. Bien la signification, je crois, dans mon salaire là. Connaissez la signification? You know what it means, yeah? What? Song is, yeah. It means memories of the lake. Qu'est-ce qu'il dit? No, no, not this one. Oh. À mon salaire. Oh yeah, I know what it means. And how? Et qu'est-ce qu'il dit lui? What it means that like no matter what people say or criticize you. Ça date pas de maintenant, ce que je vais vous faire entendre, ça date pas maintenant. C'est depuis l'année dernière, j'ai commencé à chanter mes chansons. Hein. C'est depuis l'année dernière que je découvrais ça, parce que ce sont les enfants qui honorent nos sons, Naïn, en quart de tout ça, donc dans sa voiture, les enfants ont commencé à se mêler et à commencer à aimer ma musique. Donc depuis le pays, on communiquait, moi on s'est déjà vu, et je suis rentré, vraiment c'était pour nous l'occasion de se rencontrer physiquement. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Je suis à leur école. Ils m'ont invité chez eux à la maison. Je suis prendre moi chez eux à la maison. C'est le fan club. Je suis éparté parce qu'ils ont l'accent. Amon Saleh. Oh, his accent? Accent. Amon Saleh. Yeah, he has a... You sing with... I do? You? Sing. Alright. Amon Saleh, oh. Amon. Amon Saleh, oh. Amon. Amon Saleh, oh. Amon. Une dernière fois. Elie lago. Elie lago. Elie lago. Elie lago. Elie lago.
Gere gemu aki biya o. Awe. Amosale ho. Amo, amazane ho. Amo, amazane ho. Amo, amazane ho. Amo, amo, biawe, biawe. Elie lagona. Alia lagona. Mamagere zemu o. Gere gemu aki biya o. Biawe. Amo, amo. Amo, amazane ho. Amo, amazane ho. Amo, amazane ho. Amo, amo, biawe, biawe. Voici le fan club. Zach et puis Ben. C'est une affaire à suivre à Baltimore. C'est pour ce samedi. Je serai en semi-live par la grâce de Dieu. Nous allons voir beaucoup de choses. Mon tout dernier album. Mon tout dernier album. Voilà, donc on aura l'occasion, le tout dernier album, faire déjà $20 ici. On aura l'occasion, je serai en semi-live avec des musiciens ici à Baltimore. Ça sera vraiment quelque chose de balèze. Baltimore. Yeah, kamu, oh, oh, oh. Amu, ye, iza, dodo, ye, zaramu, ye, oh. Yigi, zaramu, ha, zaramu, ha, oh. Ye, yo, kamu, ha, zara. Ah, amuzane o, amo, amuzane o, amo, amuzane o, amo, amuzane o, amo, amo, biawe, biawe, amuzane o, amo, amuzane o, amo, amuzane o, amo, amuzane o. Amo, amo, biawe, biawe. Eli, Eli. Alia lagona, magere gemu. Gere gemu, aki biawo. Awe. Awe, yeah. Allons-y. Alia lagona, magere gemu. Gere gemu, aki biawo. Biawe. Amazane o, amo, amazane o. Amo, amazane o, amo, amazane o, amo, amo, biawe, biawe. Ouais, shalom depuis Maryland, Baltimore, c'est le fan club. C'est depuis l'année dernière que les enfants ont chanté mes chansons, comme j'ai l'habitude de dire tout ça. Ça fait depuis un moment qu'ils chantent mes chansons. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on vient de se voir. Je suis allé à leur école. Ils insistaient, et puis je suis venu chez eux à la maison, je suis chez eux à la maison. Vraiment, ils ne font qu'écouter ma musique, ils ne font qu'écouter ma musique. Allons-y. Amazane oh. Amo, amazane oh. Amo, amazane oh. Amo, amazane oh. Amo, amo, biawe, biawe. On va finir. Eli et la gona, amo, ma gere, gemu Gere gemu ki biao. Miawe. What's the thing? Amo zale ho. Amo. Amo zale ho. Amo. Amo zale ho. Amo. Amo zale ho. Amo. Amo. Miawe. Miawe. Super. Ma peu. Ye dodo aninu nagara go uzio. Ye. Ma peu. Ye dodo ani luna kala gozio Elie la gozia ziliwa ou affaire à sucre. Soyez bénis. D'accord mon si. Amo. Biawe, biawe. Isaac, chante. Amazane o. Amo. Amazane o. Amo. Amozale o, amo, amo, biawe, biawe. C'est le fan club derrière. Les enfants sont très dangereux. Ils sont très dangereux. C'est le fan club, les petits américains qui chantent bien Amozale. Amozale o, amo. Amozale o, amo. Amozale o, amo, Isaac. Amozale, quoi? Amozale, oh, amo, amo, biawe, biawe.
Amon Saléo, Amo. Vous répondez. Amon Saléo, Amo. Amon Saléo, Amo. Amon Saléo, Amo, Amo. Biaoué, biaoué. Elie la gona, Amouma, Gerege Mouho. Gerege Mouho, Aki, Biaou, Awe. Nyamon Souyona, Amouma, Gerege Mouho. Gerege Mouho, Aki, Biaou, Awe. Amon Saléo, Amo. Amon Saléo, Amo. Amon Saléo, Amo. Amon Saléo. Super. Non, c'est trop, ils sont trop dangereux les petits là. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, j'avais une vidéo. Voilà, c'est là nous, que ma fille spirituelle jouait constamment ma CD dans la voiture, donc ils ont fini par aimer, ils ont fini. Donc de temps en temps, je faisais des coucous. Ma première bichou, c'était vraiment les voir, de les connaître. Voilà, donc. C'est Isaac, non? Zach et Ben. Ça, c'est Ben. Hi. Ça, c'est Zach. How are you? Ça, c'est le grand danseur. Amon Saléo! You guys want to say something? Why you like the song? Oh, that's it reminds me of God. Because it reminds me of God. It reminds me to stay strong. And that song? Yeah. That's good. How you understand to make you be strong? It's like really peaceful and it's like I like the beats a lot. Like the beat. Okay. And it's really like this quoi? It just feels like such a good song. Et je leur ai demandé pourquoi ils aiment la chanson. Donc ils étaient en train de m'expliquer pourquoi. Ils disent que c'est une chanson qui, c'est comme ça, l'air dans la paix. Okay. Et puis ils aiment le rythme. Le rythme. Et puis aussi, c'est une belle musique. La mélodie. La mélodie, voilà. Ils aiment beaucoup la mélodie. C'est pour ça qu'ils aiment la chanson, même s'ils ne comprennent pas. Il faut dire, ça veut dire, la chanson veut dire, Amon Saléo, c'est Dieu. Dieu qui se. C'est ce que l'autre a dit. Il a dit que ça lui rappelle Dieu. Oui, ça veut dire Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Amon Saléo. Okay. Ça veut dire, c'est Dieu qui m'a choisi pour annoncer, parler de lui partout. Donc, critiquez-moi, faites tout, mais c'est Dieu qui m'a appelé pour faire le travail, ce travail. C'est une inspiration que j'ai eue par rapport à mon travail. Il a dit, that song means, is God who called him to do his job, to go everywhere in the world and talk about him. And the same song said, you can criticize me, you can say whatever you want on me, about me. I don't care. The only thing I know, I just want to serve God. So I was right about how I felt about it? Sure. Oh my gosh. Because I said you gotta stay strong. Yeah. Il dit que parce qu'il a dit que cette chanson veut dire. Il n'a pas compris, mais quand je lui ai posé la question, il a dit non, il a dit que cette chanson veut dire que d'être fort. Oui. Donc il me dit, mais c'est quoi tu viens d'expliquer là, ça veut dire que j'ai. Si, j'ai trouvé. J'ai trouvé juste alors. Ah, si. Comme ça, il a dit, oh my God. Yeah, come on, wow, wow. Amo ye isa dodo ye salamu ye wo kiki gramu ya salamu ao ye yo kamu asra amo saleo amo amo saleo amo amo saleo amo amo saleo amo amo biawe biawe ye kamu ho wo. Amo ye isa dodo ye salamu ye wo gigi salamu a salamu a o ye yo kamu a sala amo saleo amo amo saleo amo amo saleo amo amo saleo amo amo biawe biawe. Zach, Natasha, yeah. 15 minutes. Can you sing it yourself? Yeah, sing it yourself. One by one. How does it? Come on, Zach. Just I'm sorry. Amazaneo, amo, Amazaneo, amo, Amazaneo, amo, amo, biawe, biawe. Super.
Okay. That's right, Ben. Let's go. Almost up? Allons-y, allons-y. Let's go. Don't worry. Okay, I see my voice can't go that high. Hold up. Oh, okay. Amazon? Blah. Vas-y, vas-y. Amazoneo, amo. Amazoneo, amo. Amazon? Okay. Amazoneo, amo. Amazoneo, amo. Amo, biaweb. Biaweb. Super. C'est le fan club. C'est une question d'affaires à suivre. Depuis Maryland. Shalom. Je viens de me poser des questions, je les écoute sur le fan club. What's it like in the Ivory Coast? Et dis, qu'est-ce que tu aimes en Côte d'Ivoire? That's his good, you know? Qu'est-ce que j'aime? Yeah. En Côte d'Ivoire? Yeah. J'aime la Côte d'Ivoire. Il Ivory Coast. This is, he's ouais, c'est chez moi. C'est chez moi, donc j'aime la Côte d'Ivoire. Et puis j'aime le travail que je fais. And he likes the job he does. Je parlais de Dieu, j'aime bien talk ça. About God. He like. Ouais. Sounds like a pretty fun job, actually. Ça sent être un bon travail. Ben oui, parce que échanger avec les gens, leur parler de l'amour de Dieu, la paix, créer l'amour dans le cœur des gens, la paix, pour ne pas qu'il y ait la guerre et tout ça, les connecter à Dieu, c'est une bonne chose. Parler l'évangile aux délinquants, aux voyous, leur amener à être transformés par la puissance de Dieu, c'est un bon travail. He say it's a good job because you know you meet people, you talk about it, you talk to them about God, you make them feel like they belong, you know, it's a good thing. And you know, it's good to be able to meet some people and share the word of God with them. I just summarized. I didn't say in detail, okay? I've always wanted to go to the Ivory Coast, but as you know, Honorine, my parents won't let me. Il dit, il veut vraiment partir en Côte d'Ivoire. Ah oui, ma! Je le sais, ses parents vont pas le laisser. Oh, d'accord. Sinon, s'il vient, oh là là, je vais le gâter. If it happens that you go there, il va connaître bien la Côte d'Ivoire. Je vais le prendre avec ma voiture, le faire balader en Côte d'Ivoire. Il y a des meilleures plages en Côte d'Ivoire. Beach. Ah oui, il y a des meilleurs plats, il y a des montagnes, il y a des bons enfants, il y a la forêt, il y a des animaux, il y a des bons repas, ouais, c'est super quoi. La Côte d'Ivoire. It's really good to be there. That'd be so awesome. I know when I get older, maybe like. Et je lui demande, je lui pose aussi une question. Ok. He says he's gonna ask me a question. Okay. Est-ce qu'il aime les Africains? Did you like African people? Me? Yeah. No. Pourquoi? It's amazing. You don't like African people? No. I thought you said, do you laugh at Africans? Ah, non. Il pensait que on a dit, est-ce qu'il se moque des Africains? Non, est-ce qu'il aime love? Like. Oh, of course I like African people. Bien sûr, j'aime les Africains. The best. Pourquoi? Oh, love them. So nice. And, like, they don't usually lie. Ah bon? Pourquoi? Nous sommes gentils. Et puis, nous, on ment pas souvent. They're honest. And if they do lie, it's because, like, they're struggling or something and they have to. Like, si il arrive qu'il ment, c'est parce que peut-être ils sont en train de traverser un problème. But, non, mais moi je sais parce que la preuve c'est que il m'a aimé sans me connaître. Donc je fais exprès poser la question. Sinon, sans me connaître, il m'aimait. You like it even voilà. Though you don't know. Et je sais qu'il n'est pas raciste. Like je sais que ça, je le sais. Il m'aimait beaucoup. Je l'aime voir. C'est pareil pour moi aussi. Je dois aussi le voir. Donc je sais qu'il aime les Africains. So ouais. Even though you didn't see, et ça, il va aller très loin parce qu'il n'y a pas de différence dans sa tête. This idea, this thought will make you go far because you don't have this difference between other people and you. C'est là, je lui dis merci pour ça. And he said, thank you so much, you guys. Yeah, il a un esprit très grand. Thank you. Il dit merci aussi. And, Jacques, vous voulez poser une question? Oui, s'il vous plaît, continue. That me? Yeah. You want to ask him some questions? Alrighty. Okay. What's it like being famous? Qu'est-ce que ça te fait d'être star?
J'ai un message que j'ai vécu. Le message que j'ai vécu, la portée du message, quand je me rends compte que les gens, je me rends compte quand les gens saisissent la portée de mon message et que ça transforme le cœur, je suis content. Give to people, you know, the strength of the message he gave to people make him happy because they can understand the real what God wants him to do. C'est mon profit, ça. That's what. C'est tout que je gagne dedans. That's what the only thing make him happy. What he can have, making. J'ai pas la grosse tête, quoi. It's not like he's. Je suis pas orgueilleux. Yeah, it's not like he's proud. He just likes his job. Ouais, c'est tout. Faut que les gens comprennent mon message. Just want people to. Et ceux qui m'appellent chez eux, sans connaître déjà l'explication de ma chanson, ils ont fini par aimer. Or, ça avait une grande portée spirituelle. He said what make him happy about you. Even c'est moi qui l'ai composé dans la douleur. Il a composé dans la douleur. In the pain. And even though you don't understand what the song means. Et donc, de façon, like ça m'a it. Touché. C'est comme ça touche les gens. The way it touch him, that's the same way it touch ouais. Other people. Amon sale oh, amon lago, amon sale oh, amon sale oh, amon. Je dis à Dieu, c'est toi qui m'as choisi. Peu importe la persécution, peu importe ce que les gens feront, jamais je vais laisser. J'irai jusqu'au bout parce que là, ça vient pas de moi le travail, ça vient de toi. It say in the song, it say God, whatever I go through, the persecution, the trouble, whatever I go through, I'm not gonna stop. I'm going far. Yes. I'm gonna move forward because you are the one who choose me. Exactly. And I have to do your job. I agree with that. It's 100%. Yeah, that's inspiration. Et c'est une inspiration qu'il est d'accord avec toi. And also, I think